Bonjour, bienvenue sur le site votre-réception-de-mariage.com. Vous êtes sur ce site parce que vous recherchez un prestataire pour l'animation de votre mariage. Faisons une petite projection, il est entre 4h et 6h du matin, il ne reste plus que vous et quelques invités. Qu'est-ce qui va vous donner la sensation que vous avez choisi le bon prestataire? D'après mon expérience, trois facteurs sont déterminants. Premièrement, il faut que vous et vos invités soyez à l'aise avec le volume de diffusion de la musique. Deuxièmement, il faut que pour les différents temps du mariage que sont le cocktail, le repas et la soirée dansante, il faut que les styles musicaux qui sont diffusés correspondent à vos goûts et à ceux de vos amis et de vos invités. Et troisièmement, il faut que votre animateur soit disponible et réceptif sans être familier. Pour réussir votre soirée, je vous propose un volume de diffusion confortable et précis. Comment ? Eh bien tout simplement en répartissant le son à travers votre salle de réception, plutôt que de concentrer ce son aux abords de la piste de danse, comme c'est souvent le cas. Le son est diffusé dans votre salle à l'aide d'une enceinte ou de plusieurs enceintes en fonction de la disposition et du nombre de vos invités. Pour réussir votre réception de mariage, il est indispensable que la programmation musicale soit adaptée à vos goûts et à ceux de vos invités. Pour réussir ce pari, c'est très simple. Je vous remets des listes et il suffit dans ces listes que vous me précisiez les chansons et les artistes qui vous plaisent et ceux dont vous ne voulez pas. Une réception de mariage, ça implique aussi souvent des interventions. Les vôtres, celles de votre famille, celles de vos amis. Je vous propose de coordonner ces interventions. Ça insuffle une bonne dynamique et ça entretient l'ambiance de votre réception. En ce qui concerne l'animation lumineuse, il y a deux points à savoir. Il y a donc la décoration dynamique de votre piste de danse, donc en clair, les éclairages qui accompagnent la musique pendant l'animation. C'est un point. Il y a à côté de ça la décoration lumineuse de votre salle de réception. Sur ce point, il est important qu'on se voit pour que vous précisiez ce que vous souhaitez comme type de décoration lumineuse. Pour conclure, ma prestation, elle commence le jour où vous décidez de me confier l'animation musicale de votre réception de mariage. On convient d'un rendez-vous et ce jour-là, je vous explique clairement quel est le matériel que je mets en œuvre, quelle est l'organisation que je vous propose et quel est le contrat que je vous propose également. Vous êtes intéressé? Je vous invite à faire une demande de devis. À bientôt.